Bonjour et bienvenue à ce programme. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui et vous annoncer que l'été est arrivé après les froids d'hiver. Il est temps de penser jardinage, penser aux fleurs. Mais aussi aujourd'hui, j'aimerais vous faire visiter une cuisine de Provence. Nous avons un invité distingué, un chef cuisinier du nom de Bernard Alberigo. C'est un Italien, mais qui est vraiment français 100%. Et je lui souhaite la bienvenue. Bonjour Bernard. Merci. Bonjour. Bienvenue ici au studio. Merci. Nous avons converti le studio en petite cuisine en de petite jour. Cuisine, oui. Et aujourd'hui, tu vas nous faire une recette. Mais avant de passer à la recette que tu vas nous présenter aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de tes origines. Je viens juste de mentionner que tu es italien, mais vraiment, tu es français. Oui, en fait, je suis né à Nice, qui appartenait 200 ans avant à l'Italie. Je suis de nationalité française, mais d'origine italienne. Mes parents sont italiens, mon père, ma mère, ma grand-mère sont italiens. Nice est une ville qui est pas trop loin d'Italie, à peu près une demi-heure. On a tous un peu des aspects italiens, puis notre cuisine reflète un petit peu aussi l'Italie. Quelles sont les qualités vraiment d'un bon chef? Tu es présentement chef de Nice Bistro. Quelles sont les vraies bonnes qualités d'un chef? Je pense que la première qualité, c'est d'être de bonne humeur. La bonne humeur, hein? Et toi, ta profession, tu as débuté comment? Tu as commencé à Nice? J'ai débuté en France il y a à peu près 28 ans de ça, comme apprenti. Et puis, j'ai tranquillement gradué un petit peu. Puis aujourd'hui, je suis en charge d'une cuisine à Whitby. Mais maintenant, de nos jours, j'imagine que être chef, ça demande beaucoup plus d'études que quand tu as débuté au début. Non, pas nécessairement, mais il faut surtout se tenir au courant des nouveautés, de tout ce qui se fait, puis rester bien alerte des nouveaux goûts des personnes, parce que les goûts ont changé. De plus en plus, des gens mangent végétariens. Alors, il faut trouver des nouvelles recettes végétariennes pour ces gens, justement. Et puis, as-tu déjà eu la chance de travailler dans des grands restaurants là, de classe? Oui, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants, mais j'en ai un qui me vient à l'idée où j'ai travaillé en Floride en 1972, dans un restaurant qui s'appelait Café Chauvron, qui s'appelle encore Café Chauvron. C'est un grand restaurant français qui existe en Floride. Ça a été quand même une bonne école, je pense. Mm-hmm. J'ai appris beaucoup de choses chez eux. Maintenant, quand tu es arrivé au Canada ici, as-tu travaillé à Montréal au début? Ou... Non, je suis arrivé en 1970 et j'ai commencé à travailler à Québec. À Québec? J'ai travaillé dans un restaurant qui s'appelle... Le premier restaurant où j'ai travaillé s'appelle le Continental, qui existe toujours aujourd'hui, dans la rue Saint-Louis à Québec. Et qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? J'aime parce que c'est un travail qui demande beaucoup de création, puis tu es libre de créer un peu à tous les jours quelque chose de différent. Maintenant, aujourd'hui, tu vas nous créer quelque chose de bien différent pour nous. Et je demanderai aux auditeurs qui sont à l'écoute de se préparer d'une plume et d'un morceau de papier pour écrire la recette. Parce que plus tard, durant l'émission, nous allons montrer à l'écran la recette même que le chef Bernard Alberigo va nous donner. Et vous aurez la chance de la copier, parce qu'on va la laisser longtemps assez à l'écran, que vous aurez la chance de copier la recette. C'est une recette de salade niçoise. Une salade niçoise, ça se sert avec quelle sorte de repas? Oh, ça peut servir n'importe comment, comme entrée ou comme mes plats principaux, ou à n'importe quel moment de la journée, si tu veux aussi. Est-ce qu'on pourrait faire un repas seulement d'une salade niçoise? Oui, bien sûr. Oui. Les gens, de plus en plus, ils mangent légèrement. Et puis, c'est une recette qui comprend quand même assez pas mal d'ingrédients et qui est assez équilibrée comme salade. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de thon, il y a un peu de salade, il y a un peu de tomates, il y a des œufs aussi. Et ça pourrait être une salade végétarienne aussi, c'est en fait. Ça, oui, c'est ça. Oui. Si les végétariens acceptent de manger le thon... Ce n'est pas tous les végétariens, mais beaucoup de végétariens mangent du thon. Alors, c'est une salade qui est assez complète pour l'équilibre alimentaire. Bien, maintenant, chef Bernard, je te laisse à l'œuvre de nous donner la recette. C'est une salade
que tu as planifié toi-même? Non, c'est une salade qui est originaire de Nice, qui existe depuis probablement une cinquantaine d'années, peut-être plus même. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais chaque restaurant essaie de la modifier avec les ingrédients qu'ils ont dessous leur main. En disant que cette salade à Nice, elle est faite de la même manière que je vous la présentais, excepté qu'ils ne mettent pas de salade verte dedans. Alors c'est vraiment une salade faite avec des tomates, un anchois, puis du thon, des œufs, mais ne mettent pas de salade verte. Mais nous, en Amérique du Nord, on essaie de l'agrémenter pour donner quelque chose de plus volumineux aux clients. Alors, ils aiment savoir. Puis il y a plus de couleurs aussi. Oui, le Canadien aime savoir une salade, une vraie salade. C'est. Mm-hmm. Alors, on peut mettre de la salade romaine dedans, on peut mettre de la salade Boston, on peut mettre de la salade iceberg. C'est une salade qui est versatile. Vous pouvez, si vous voulez, dépendant de la salade que vous avez sous la main, l'inclure là, puis ça va toujours rester une salade niçoise. Hein. Alors ici, vous avez les tomates. Vous prenez une tomate coupée en quatre. Pour la télévision, je l'ai coupée déjà. Pour Et puis, tout simplement coupée en quatre, vous mettez votre bouquet de salade au milieu. Après, vous avez un artichaut. Vous achetez des artichauts en canne. Je recommande des artichauts qui sont conservés dans l'huile. Ils sont très bons aussi. Vous pouvez le couper en quatre aussi, votre artichaut. Ou en deux, si vous voulez, dépendant. Et puis vous mettez d'un côté. Après, tout simplement un œuf dur aussi, coupé en quatre aussi. Ça serait un œuf à la coque? Non, un œuf dur. Un œuf à la coque, c'est différent. Un œuf à la coque, tu le manges et puis tu casses la coque, puis tu trembles un peu de pain dedans, il est un peu mollé. Ah, oh, il n'est pas cuit dur. Oui, il n'est pas cuit. Celui-là, il est vraiment cuit dur, là. Voilà, alors prenez votre... Dans une salade, 50% de la réussite d'une salade, c'est aussi l'aspect de la salade. Les gens aiment bien voir la couleur. Et puis après, vous avez du thon à l'huile ou du thon à l'eau, comme vous voulez. Vous pouvez acheter une petite canne de thon de 100 grammes. Et puis, vous avez juste à la mettre au centre, comme ça. OK, vous avez votre thon ici. Dépendant si vous aimez le thon ou pas. Et puis vous avez votre petit anchois. Ça, tout le monde n'aime pas ça, le petit anchois, mais ça fait partie de la salade niçoise. Une salade niçoise sans anchois, c'est plus une salade niçoise. Et puis vous avez une olive. Celle-ci, c'est une olive grecque. Et puis vous avez des oignons aussi. Vous mettez un petit peu d'oignon frais dessus. OK. Et voilà. Et puis moi, je mets une vinaigrette dessus. D'ailleurs, on va vous donner la recette à la télévision, qui est très simple à faire. On appelle une vinaigrette française. Et puis, je mets ma vinaigrette dessus. Et voilà. Mais beaucoup de gens n'aiment pas la vinaigrette. Ils peuvent utiliser de l'huile d'olive aussi. Dépendant, vous avez le choix, ou juste de l'huile d'olive pure ou une vinaigrette. Et puis voilà, votre salade niçoise est prête à manger. Bon appétit. C'est vite fait de même. C'est vite fait, puis c'est bien pour l'été, justement. Alors, vous pouvez agrémenter avec d'autres légumes. Il y en a qui mettent des haricots verts frais dessus aussi. Mais ça se rapproche le plus possible de la vraie salade niçoise qu'on trouve à Nice. Mais si tu faisais la salade à Nice même, quel autre ingrédient tu aurais dans ta salade? Ils utilisent des artichauts frais qu'ils ont, et puis ils utilisent aussi des haricots. Et puis, il faut dire que cette salade aussi, elle peut se mettre dans un sandwich. Puis on appelle ça un pain bagna. Alors c'est dans un pain rond. Et puis tous ces ingrédients que je viens de vous montrer là rentrent dans le pain rond. Et puis vous badigeonnez un petit peu avec d'huile d'olive. Mettez un petit peu de sel de poivre. Et puis de temps en temps, si vous avez du basilic frais aussi, vous pouvez mettre quelques feuilles de basilic. Vous le hachez finement. Puis vous mettez des feuilles de basilic. Ça donne de l'arôme. Alors, vous pouvez servir ça en sandwich, si vous voulez, pour vos enfants, s'ils veulent aller à l'école et puis veulent avoir un petit repas bien équilibré. Hein. Et tu as mentionné aussi que les artichauts étaient dans l'huile. Et quelle différence qu'il y aurait avec les artichauts qui sont dans des pots en conserve? Ils ont meilleur goût quand vous les achetez dans l'huile. Ils sont un peu plus chers. Mais vous pouvez les avoir aussi, des artichauts en canne, comme ça, à l'eau, là.
coûte un peu moins cher. Puis vous pouvez vous-même vous mettre le dressing dessus. Et puis, mais à l'huile, je recommande à l'huile parce qu'ils ont beaucoup plus, ils ont meilleur goût. Mais qu'est-ce que ça de goût, l'anchois va donner à la salade? Parce que l'anchois, juste, c'est quelque chose qu'on est familier avec. Oui, je sais que tu n'aimes pas l'anchois, toi. l'anchois, c'est conservé dans le sel, dans le gros sel. Alors, ça a un goût de sel. Mais c'est juste pour agrémenter la salade. Et puis, c'est pas mauvais. Quand vous mangez votre salade avec votre petit anchois dessus, c'est pas mauvais goût. Mais si vous n'aimez pas l'anchois, vous pouvez l'enlever aussi. Est-ce qu'on peut modifier le temps avec... du saumon, par exemple? Non. Normalement, la salade niçoise, c'est le thon. C'est le thon? Oui, c'est le thon qui est. On peut bien modifier des choses, enlever la salade verte, si vous voulez la changer contre une salade Boston ou une salade iceberg. Si vous ne trouvez pas de salade romaine, comme celle-ci, c'est la salade romaine. Mais le thon, non, ça changerait tout à fait la recette complète de la salade niçoise. Et quand tu vas magasiner pour les ingrédients, là, pour les légumes, surtout la salade, est-ce qu'il y a un secret pour choisir une bonne salade fraîche? Bien, généralement, on voit la salade. Quand vous voyez une salade qui est molle, allez, c'est pas bon. Il faut que la salade, quand vous la touchez, qu'elle soit un peu croquante. Et puis, n'importe quelle salade, que ce soit la romaine, la Boston, il faut qu'elle soit croquante. Si les feuilles sont trop molles, là, ça veut dire qu'elle fait trop longtemps qu'elle est sur l'étagère ou qu'elle a déjà subi des hautes températures, des basses températures. Mais vous le voyez au toucher, il faut qu'elle soit bien croquante. C'est comme les épinards aussi, quand vous achetez un paquet d'épinards, vous prenez le paquet dans les mains et puis il faut que ça croque. Il faut que ça croque, oui. Ouais. Soit frais. Si vous mettez, vous prenez votre paquet dans les mains et puis vous n'entendez rien, là, c'est trop mou, là, c'est pas bon, ne l'achetez pas. Puis vous le voyez à travers le paquet aussi. Alors, les salades, c'est pareil, il faut qu'elles soient bien croquantes. Et une salade niçoise peut se conserver combien de temps? Généralement, une salade niçoise, ça se fait à la minute, justement, en quelques minutes, juste avant que vos invités passent à table, et puis vous ne pouvez pas conserver ça très longtemps. Non. Parce que la vinaigrette, qui est faite, bien entendu, avec du vinaigre, va brûler la salade. Ah oui? Alors, la vinaigrette peut se conserver longtemps? Ben, quand la vinaigrette, il n'y a pas de problème, vous pouvez conserver. Quand vous l'avez fait, vous allez avoir la recette à la télévision, sur l'écran. Quand vous avez fait la vinaigrette, vous pouvez la conserver, si vous voulez, un an dans votre frigidaire. L'important, c'est toujours bien la remuer avant de servir pour remélanger les ingrédients, parce qu'il y a de la moutarde, et puis il y a de l'huile d'olive dedans, puis du vinaigre. Alors, toujours bien la remuer, puis vous badigeonnez votre salade. Bien sûr, ce vinaigrette, vous pouvez l'utiliser pour aussi des asperges fraîches. En ce moment, c'est la saison des asperges fraîches. Et puis, vous pouvez mettre ce vinaigrette dessus. Hein. Une vinaigrette qui passe de partout, puis vous faites faire des centaines de différentes salades. Maintenant, nous allons vous montrer à l'écran la recette de la salade niçoise. Vous donner la chance de la copier. Et peut-être qu'ils vont mettre de la musique aussi pour accompagner ça. Puis vous aurez la chance de copier la recette niçoise. J'espère que vous avez eu la chance de copier la recette de la salade niçoise. Maintenant, nous allons passer à l'écran la recette de la vinaigrette. Et puis, le chef Bernard va faire des commentaires sur la recette, puis vous dire un peu en quoi ça consiste. Alors, la salade vinaigrette, c'est la classique... excusez-moi, la salade... La vinaigrette, c'est une des classiques des dressings. À celle-ci, vous donnez un litre, vous pouvez garder ça pendant tant que vous voulez au réfrigérateur, il n'y a pas de problème. Alors, vous mettez une cuillère à soupe de moutarde forte de Dijon, essayez d'employer de la moutarde de Dijon, la vraie, et puis une cuillère à café d'herbes de Provence. Les herbes de Provence, ça peut être de l'oregano et du persil aussi, si vous voulez. Et puis un quart de litre de vinaigre de vin, puis, vous pouvez utiliser aussi du vrai vinaigre de vin que vous avez trouvé dans des épiceries de produits importés.
puis trois quarts de litre d'huile d'olive, puis un petit peu sel et poivre. Puis il y a des gens qui, pour agrémenter, des fois ils rajoutent un petit peu un jus de citron à la fin. Et puis c'est une recette que vous pouvez conserver, comme je l'ai déjà dit, au réfrigérateur pendant plusieurs mois sans aucun problème. Vous n'avez pas besoin d'acheter les recettes qu'ils vous donnent dans les supermarchés. Si vous la faites, ça vous prend quelques minutes pour la faire et puis c'est très bon. Maintenant, Bernard, cette recette-là de vinaigrette, est-ce qu'on peut servir pour d'autres sortes de salades? Ah oui, bien entendu. Oui, si on ferait une salade César, est-ce que ça peut servir non, aussi? Non, non, salade César, ça prend une vinaigrette spéciale avec, pour ça. Fait avec des œufs. Avec des œufs? Oui, des œufs, des anchois. C'est un peu différent. Mm-hmm. Mais vous pouvez utiliser cette vinaigrette pour n'importe quel légume. Comme je vous dis, en ce moment, c'est la saison des asperges. Alors, c'est bien de faire pocher vos asperges pendant 5-6 minutes. Et puis, vous posez vos asperges sur un petit lit de salade. Et puis, vous mettez votre vinaigrette. Et puis, vous servez ça avec quelques tomates, si vous voulez. Et puis, ça se sert à n'importe quelle salade. Maintenant, on va découvrir d'autres secrets. On va découvrir le secret de la pasta parce que Bernard se spécialise dans la pasta. Si vous visitez le restaurant à Nice, Bistro à Whitby, vous allez remarquer que sur son menu, c'est surtout de la pasta qui domine. Tu as sur ton menu la ratatouille. C'est quoi ça, juste la ratatouille? La ratatouille, c'est encore une spécialité de Nice. C'est, vous expliquer rapidement comment c'est fait. C'est tous des légumes qui sont cuits séparément parce que chaque légume a une cuisson différente. Alors, il y a des aubergines, il y a des zucchinis, il y a des tomates, il y a un petit peu d'oignons aussi. Et puis tous ces légumes sont cuits séparément dans l'huile d'olive. Et puis après, parce que ces légumes, chacun a une cuisson différente. Il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus courts à cuire. Et puis après, vous mélangez tout ça avec un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez rajouter un petit peu d'ail frais dedans. Et puis un petit peu d'herbe de Provence aussi. Vous savez pas, vous pouvez mettre un peu d'oregano. Puis ça, c'est une salade que vous pouvez faire en salade, vous pouvez servir sur pasta, vous pouvez le servir tiède et vous pouvez le servir froid. Et là-dedans, il n'y a aucun thon ou bien aucun viande? Non, il y a c'est végétarien à 100% encore. Végétarien à 100% aussi. Ouais. Maintenant, tu as aussi la pasta tapenade. Tapenade. Ah, ça, c'est une origine d'origine peut-être d'origine espagnole, je dirais. Moi, ce que j'appelle tapenade, c'est fait avec des... La vraie tapenade, c'est une purée d'olives. Moi, ma recette, c'est des olives vertes, puis des olives noires, un petit peu d'ail, et puis je mets un petit peu de pesto dedans. Puis tout ça dans l'huile d'olive, et puis avec mes pastas dessus. Et pour cuire de la pasta, est-ce que ça prend longtemps à cuire de la pasta? Alors, certaines pastas sont très rapides à cuire. Bien souvent, c'est pas la peine de les cuire à l'avance. Tu peux les cuire en 3-4 minutes. Il y a une petite pasta qui s'appelle capellini. C'est une pasta très très fine et qui est en dessous du spaghettini puis juste au-dessus du cheveu d'ange. Alors elle est assez fine puis ça prend 4 minutes seulement à la cuire. Alors quand vous cuisez vos pastas, vous mettez toujours une cuillère d'huile dans votre eau pour que votre pasta n'attache pas. Et puis vous remuez constamment vos pastas. Et puis voilà, le tour est joué. Et tu as aussi une pasta printanière, c'est... Ah, printanière, c'est avec des légumes sautés. Alors ça, c'est aussi avec les légumes que vous avez sous la main. Ça peut être des carottes, des zucchinis ou des asperges ou des champignons aussi. Dépendant de ce que vous avez sous la main, les légumes frais que vous trouvez au marché. C'est juste à les faire sauter un petit peu à l'huile d'olive toujours, parce qu'on dit que l'huile d'olive est bon pour la santé. Maintenant, tu fais cuire les légumes parce que tu fais un nid sur la pasta. C'est ça. J'utilise beaucoup ces petites pastas qui s'appellent capellini parce que c'est des pastas qui sont très rapides à cuire. Et puis, dès que je les sors de l'eau, je remets mes légumes qui sont sautés dessus. Et puis, des fois, je rajoute un petit peu d'eau dedans dans mes légumes sautés pour faire un petit peu de liquide. Et puis, je mets du parmesan frais dessus. Puis voilà, tout rejoint. Puis tu me disais que les pastas italiennes prennent seulement 3 minutes à cuire? C'est certaines pastas, certaines capellini, là, qu'on appelle, sont très rapides à cuire. Après, les autres sont un peu plus longues. Plus vous allez dans un diamètre plus gros, plus ça prend de temps à cuire. Après, vous avez les fettuccini qui sont un peu plus difficiles à cuire parce qu'ils sont carrés, alors ils se collent des fois ensemble, alors il faut les remuer constamment. En fait.
Tu utilises souvent le terme « alla dente ». Ah, la dent, c'est un terme italien qui veut dire, la dent veut dire la dent, oui. Ok, qui veut dire que quand vous cuisez vos pastas, vous ne les cuisez pas au dernier degré, qu'elles soient trop molles. Et vous les cuisez justement à un certain degré, c'est que votre pasta elle est un petit peu croquante entre vos dents. Alors les Italiens utilisent beaucoup ce terme-là parce qu'ils aiment manger les pastas comme ça à la dent. À la dent. Alors on essaie de faire découvrir ça aux gens. Puis c'est une meilleure manière de manger les pastas aussi. Et si vous visitez Nice Bistro, il y a un pâté maison aussi. C'est une recette pas vraiment secrète, là, parce que je pense que Chef Bernard serait prêt à vous donner toutes ses ah, secrets oui. même. Il n'y a pas de problème. Le pâté maison, ça consiste en quoi? Juste, Ah, c'est un pâté qui est fait avec du foie de porc et puis du porc haché aussi. Puis dans ma recette, je mets du cognac et puis du poivre et puis du poivre en grains. Et puis je mets aussi un peu d'autres petits ingrédients secrets. Mais que je suis prêt à dire une autre fois. Et à ton restaurant, tu as ici un menu sur la table là, qui est avec nous. Est-ce qu'il y a des articles qui sont vraiment populaires, que les gens commandent souvent quand ils vont visiter? Oui, il y a la fameuse pasta aux olives, tapenade, qui est assez populaire, que les gens aiment beaucoup. Ça sort un petit peu d'ordinaire. Ça fait un peu différent des pastas que vous allez trouver dans les autres restaurants, pasta à la viande, ou boules de viande, ou... Alors, les gens aiment ça, généralement. Il y a aussi la pasta ratatouille qui est populaire. Et est-ce qu'il y a des pastas que tu fais toi-même, que tu prépares toi-même? Oui, il y a une pasta en particulier que je prépare moi-même, que j'appelle le tortelloni. C'est une pasta fraîche que je remplis avec du fromage cotta, puis des épinards, et puis que je referme après, et puis je fais des petits triangles. Et puis ça, j'en sers, je les sers dans une sauce à la crème ou alors une sauce tomate, dépendant de la sauce du jour. J'ai dégusté à ton restaurant la pasta avec de l'ail dedans. C'était très bon. Ah, ça, c'est la pasta la plus simple à faire. Tout le monde pourrait faire ça à la maison. Oui. Justement, utiliser cette petite pasta fine qui s'appelle les capellini. Et puis faire cuire vos pastas pendant 3-4 minutes maximum. Et puis faire revenir un petit peu votre ail frais avec de l'huile d'olive dans votre poêle. Et puis quand votre pâte est bien cuite, là, vous la jetez directement dans la poêle. Et puis voilà, le tour est joué. C'est une petite pasta à l'ail qui est simple à faire. Vous pouvez rajouter un petit peu de persil pour donner de la couleur aussi, du persil frais haché. Et sur ton menu, tu n'as pas grand espace pour les desserts, mais quelle sorte de dessert tu sers? Oh, on a un présentoir de desserts et puis on a un chef pâtissier qui vient nous faire des desserts à tous les jours. Alors, tous les jours, on a des desserts différents. Tu as la crêpe Suzette flambée? Ça, on l'a fait à l'occasion. Ça, c'est moi qui l'ai fait. De temps en temps, on en fait, mais on a surtout des pâtisseries fraîches au beurre qui sont faites à tous les jours. Maintenant, le samedi, tu avais à l'agenda un musicien qui faisait de la musique jazz. Oui, on avait des musiciens qui venaient pendant 2-3 heures durant l'après-midi faire un peu de musique. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés à venir gratter un petit peu de la guitare le samedi après-midi, on serait bien heureux de les accueillir. Là. On est en train de chercher encore des volontaires qui seraient prêts à venir gratter un petit peu de la guitare pour mettre de l'ambiance dans le restaurant. Puis tu sers aussi de la bière... On a la bière en fût, comme on appelle, la bière à pression. Elle est bonne, je l'ai goûtée cette semaine, c'est très bon. Bien, en tout cas, ça a été vraiment le plaisir de t'avoir comme invité. Ben, ça me fait plaisir d'être venu, puis je te remercie de m'avoir invité. Et puis, si ça vous intéresse, les auditeurs, à avoir d'autres recettes, je pense que le chef Bernard serait prêt à venir, peut-être durant l'été ou à l'automne, nous présenter des recettes flambées. Il peut apporter son petit poêle ici et puis nous faire une démonstration au studio, flamber peut-être des oranges, de la crêpe Suzette. Oui, des bananes aussi. Des bananes, oui. C'est à vous autres de me souffler à l'oreille puis de faire la demande. On peut l'avoir comme invité de nouveau. Ah, je suis toujours prêt à venir vous montrer des petites recettes simples à exécuter, puis pas trop compliquées, comme ça vous pourriez les faire vous-même à la maison aussi. Et en terminant, il vous lance l'invitation à visiter son restaurant. C'était au 209 rue Dundas S à Whitby. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier d'être à l'écoute cette semaine. Je remercie mon équipe technique. J'avais comme directeur Tom Tenisco, à la caméra Kerry Blado,
et Paul Rodeman. Merci, les amis, de votre beau travail. On vous souhaite une bonne semaine et on vous revient la semaine prochaine avec une autre émission. Merci d'être à l'écoute et bonjour. In the beginning, there were seven of them, and so they called themselves the Group of Seven, and they changed the face of Canadian painting forever. We had commenced our great adventure. We lived in a continuous blaze of enthusiasm.